African. Les Africains. From their respective time of independence. À partir de leur temps d'indépendance. Have been living on aid. Depuis leur indépendance, ont vécu avec l'aide des autres. What is aid? C'est quoi l'aide? Aid is money. C'est l'argent. Or equipment. Bien des équipements. Or services. Bien des services. That are provided for a people. Qu'on pourvoit pour des personnes. Countries. Des pays. Or organizations. Bien des organisations. Who need them? Qui ont besoin de cela? But cannot provide them for themselves. Qui ne peuvent pas obtenir ça d'eux-mêmes. African countries. Des pays africains. Are the recipients of foreign sont ceux qui reçoivent de l'aide étrangère. Since their independence. Depuis leur indépendance. Sweden, la Suède, and Norway, et Norvège, are the biggest givers. Sont les plus grands donateurs. Donating over 1% of their gross national income to foreign aid. Plus de 1% de leur revenu national pour l'aide internationale. As of 2015, nous avons says that. Biggest receiver of aid. De ceux qui reçoivent l'aide. Of aid. Les plus grands receveurs. Were Afghanistan. C'était l'Afghanistan. India. L'Inde. Vietnam. Le Vietnam. Ethiopia. L'Éthiopie. And Indonesia. Et l'Indonésie. Afghanistan received $3.8 billion. Les Afghans reçoivent 3 billion. India received $3.1 billion. 1 milliard. You know when Donald Trump, vous savez, the present American president, quand Donald Trump, le président américain, the current American president, le nouveau président, came on board, l'actuel président est arrivé au pouvoir, he cut down foreign aid. Il a diminué l'aide étrangère. That goes from America to other nations. Il quitte l'Amérique pour aller pour les. That is why you cannot live successfully where. C'est pourquoi tu ne peux neither pas. Can you depend on aid. En dépendant de l'aide. You must move from aid. Tu dois quitter l'aide. To trade. Pour faire le commerce. Now, ladies and gentlemen. Maintenant. Look at Luke chapter 16, verses 1 to 13. Luke 16, à partir du verset 1. Luke 16. Luke 16. From verses 1. À partir du verset 1. To 13. Au verset 13. You see, in the scripture. Vous voyez dans l'écriture. I love this. J'aime cela. This is one of my favorite c'est characters, Bible characters in the Bible. Le caractère favori que j'aime dans la Bible. The scripture says from verse 1, Luke 16 from verse 1. À partir du verset 1. He also said to his disciples, Jésus dit à ses disciples, there was a certain rich man, il y avait un homme riche, who had a steward, qui avait un économe, and an accusation was brought to him that this man was wasting his goods. Il lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. So he called him and said to him, il appela et lui dit, what is this that I hear about you? J'entends dire de toi. Give an account of your stewardship. De ton, la for you can no longer be steward. Car tu ne peux plus administrer. Then the steward said within himself, l'économe se dit en lui-même, what shall I do? Que ferai-je? For my master is taking the stewardship away from me. Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens. I cannot dig. Travailler la terre. I am ashamed to beg. Je ne puis mendier, j'ai honte. You see it again now? Yes. Voyez. I am resort what to do. Je sais ce qu'il faut faire. That when I'm put out on the stewardship. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Dans leur maison quand je l'ai. So he called every one of his master's debtor to him. Il fit appeler. And said to the first. De son maître et dit au premier. How much do you owe my master? Bien tu dois à mon maître. And he said. Il dit. So he said to him, il dit, take your beer, prends ton billet, and sit down, assieds-toi, and write 50. Écris 50. Then he said to another, il dit à l'autre, how much do you owe? Combien tu dois? So he said, il dit, 100 measure of wheat. 100 mesures de blé. And he said to him, il lui répondit, take your beer, prends ton billet, and write 80. Écris 80. So the master, alors le maître, take cognizance of this verse 8. Écoutons bien le verset 8. Commended the unjust steward. Loua l'économe. Et because he had dealt surely. De ce qu'il avait agi prudemment. For the sons of this world. Les enfants de ce siècle. Are more shrewd. Sont plus. In their generation. Prudents. Than the sons of light. À l'égard
semblables. Everyone que les enfants de lumière. Look up. Regardons ici. The Bible says a certain rich man. La Bible dit un homme riche. Each time you see that phrase used in the scripture. À chaque fois qu'on voit le mot certain. Is talking about God. La Bible parle ici de Dieu. Who is the certain rich man? Et qui ce certain homme riche? Is God. C'était Dieu. The Bible says. La Bible dit. Here he was talking to his disciples. Ici il parlait à son disciple. Now, oftentimes. La plupart du temps, the words that Jesus used, les paroles que Jésus utilisait, the audience, l'audience, determines the terms, détermine les termes qu'il va utiliser. So the people Jesus was talking to here, ceux à qui Jésus parle, are not really his disciples. Ne sont pas vraiment ses disciples. They are the sinners, ce sont les pécheurs, and the Pharisees. Et les pharisiens qui étaient là. Did you get that? Est-ce que vous me comprenez? Now he says. Maintenant il dit. That this unjust steward, cet intendant, who is a steward? C'est qui un intendant? A steward is somebody that is giving charge. Un gestionnaire, c'est à qui on donne la charge. To supervise, de superviser, an estate, des biens, a business, to manage a business, des affaires à gérer, on behalf of a master, en faveur de son maître. It's not the owner, il n'est pas le propriétaire, but it's a manager, mais il gère seulement. So who are steward? Alors c'est qui? Every one of us on this earth, chacun d'entre nous sur cette terre, we are all stewards. Nous sommes tous des intendants, stewards of God's resources, des gestionnaires de l'argent de tes mains. It's not your own. Ce n'est pas pour toi. You are just a steward. Tu es juste un intendant. The children that God gives to you, they are not your own. Ce n'est pas pour toi. You are just a steward. Tu es un intendant. The gifts, the talents God has given to you, que Dieu a mis, they are not your own. Ce n'est pas toi. Now, maintenant, why did Jesus commend this man? Pourquoi est-ce que Jésus a recommandé à cet homme? We must realize that Jesus will never support unrighteousness. Nous devons comprendre ici que Jésus ne va jamais soutenir l'injustice. In the scripture as well, mais il n'y a nulle part dans la Bible that God, où Dieu gives a pass mark a or a score for listeners. Donne une grande note pour quelqu'un qui est insensé. There is nowhere in the scripture. Il n'y a nulle part dans l'Écriture. God, où Dieu scores, donne une marque à l'insensé. And that's why he now says. C'est pourquoi il dit. My own children. Mes propres enfants. The children of light. Les enfants de la lumière. Instead of them to be smart. Au lieu qu'ils soient malins. Instead of them to be wise. Instead of them to move away from hate. Au lieu qu'ils quittent l'aide. And use what I have given them. Ils utilisent ce que je leur ai donné. Remember in Luke chapter 19. Vous allez vous souvenir dans Luke 19. The Bible also refers there. He says in Luke chapter 19, reading from verse 11. En Luke 19, verse 11. Luke 19, reading from verse 11. 19, à partir 10 to 27. Au verset 27. The scripture says a certain man. Un certain homme. A noble man. Un homme noble. Referring to God. Se référant encore à Dieu. He said he was going to a far country. La Bible dit qu'il partait dans un pays qui était farther than heaven. Qui est plus loin que le ciel. And he called his servants. Il a appelé ses serviteurs. And he handed to everybody. Et il a donné à chacun. According to their several ability. Leur capacité. To one, he gave 10. Un, il a donné 10. 10 pounds. 10 livres. To another, he gave 5. Il a donné 5. To another, he gave 1. Il a donné 1. And he said, occupa. Et il a dit occupé. Another translation says, une autre tradition dit, do business. Faites des affaires, faites le commerce. With this. Avec ça. Amen. Till I come. Jusqu'à ce que je revienne. Look up, everybody. Regardez. What can move you from aid? Ce qui peut te to trade, déplacer de l'aide au commerce in this life, dans ce pays, dans cette vie. If you are wise, that's what Jesus commanded. C'est ce que Jésus recommande. What Jesus commanded, Jésus recommande. In unjust steward, c'est que learn this for life. Si tu es intendant, apprends ça pour la vie. Was horse making use of our master's good for our own best profit and advantage on this earth. That's what Jesus commanded. C'est ce que Jésus disait. Il disait utiliser les biens de notre maître pour pouvoir multiplier ça afin que ça soit à notre avantage sur cette terre. Is making use, which is what this man did. C'est ce qui est permis d'utiliser. Of our master's goods. Et les biens de notre maître.
for our own profit, pour notre bénéfice, an advantage, et à notre avantage, on this earth, sur cette terre. Did you understand that? Est-ce que vous avez compris ça? So therefore, alors, so that there is no position you are in this life. Il n'y a pas de position que tu peux avoir. You should be stranded. Au point où tu es limité. The Bible says. La Bible dit. The man was accused. On a accusé le Lord. Who is the accuser here? C'est qui l'accusateur ici? Is the devil. C'est le diable. The devil does not want you to be happy. Le diable ne veut pas que the devil wants whatever God has given unto you. Il veut que tout ce que Dieu te for you to lose them out. Que tu perdes ça. So he will do everything. Alors il va tout faire. To wait for pour that will lose your membership. Une guerre, that will lose your business. Membres, tes affaires, that will lose your ability. Que tu perds ta capacité, that will lose your talent. Que tu perds that will talent, lose your contact. Que tu that will lose your connection. Perds ta connexion. And the Bible says, et la Bible dit, as this man was told, quand on a dit à cet homme, the unjust steward, l'intendant injuste, that his stewardship, que son intendance, his business, ses affaires, his leadership, son leadership, his church, son église, was going to be collected from him, va lui être retiré. He said within himself, il s'est dit en lui-même, how to reduce dependency on aid. Comment réduire la dépendance à l'aide? To move from aid. Comment quitter l'aide? To trade. Et arriver à faire du commerce. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, to leave aid, quitter l'aide. You've got to know how to trade. Tu dois savoir d'abord comment faire le with commerce. God, with what God has given. Avec ce que Dieu t'a donné. Comment faire le business avec ce que Dieu t'a donné. At any time you are stranded. À chaque moment où tu es bloqué. Think within. Pense en toi-même. Don't go to a voodoo man. Ne va pas chez un maître. Don't go to an herbalist. Ne va pas chez un herbaliste. A woman in the scripture. Second Kings chapter 4. Deuxième livre des rois. You remember that woman? Vous souvenez de cette femme? The Bible says she was a pastor's wife. La Bible dit qu'elle était femme de pasteur. Just like my wife. Comme ma femme. And bishop's wife. Et la femme de l'évêque. God forbid. Que Dieu nous en préserve. We are people no better. Nous sommes. We will not die as debtors. Nous n'allons pas être des créanciers. Amen. Amen. You will not die as debtors. A good man lives in inheritance for his children. That is our portion in the name of Jesus. But the Bible says, this prophet's wife, l'épouse du prophète, when the creditor came, they were coming to take her sons as a replacement pour remplacer, according to the law, selon la loi, of Moses, de Moïse. Because of their inability to pay the debt, à cause de leur incapacité the husband left the family with. Que le mari avait laissé pour sa famille. She went to the prophet. Elle est partie voir le prophète. He said, "You see." Elle a dit, tu vois. Your servant, my lord, ton my husband, your servant. Mon mari, ton serviteur. Elijah, Élisée. He loved the Lord. Il aimait Dieu. He feared the Lord. Il craignait l'Éternel. But there is wahala. Mais il y a un problème. There is trouble. Il y a un problème. He left us with debt. Il a laissé avec des dettes. And the creditors are on my head. Et les créanciers sont sur ma tête. In fact, they have come now. En fait, ils sont même venus. Failure for me to pay it now. Pour que je paye là maintenant. My sons are gone. On a amené mes enfants. The prophet asked, et le prophète demande, what do you have? Qu'est-ce que tu as? Yes. The steward said, what shall I do? Qu'est-ce que je vais faire? Now that the stewardship is about to be taken le point de me retirer mon travail. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, from today and henceforth, à partir d'aujourd'hui, no time in your life again will you be stranded. Tu vas être bloqué dans ta vie. What to do. Ne sachant pas quoi faire. Whenever a man does not know what to do, quand un homme ne sait plus quoi faire, the next inevitable thing he will do, la chose inévitable qu'il va faire, is to beg. C'est de demander. Whenever anybody does not know what to do, quand quelqu'un ne sait plus quoi faire, the next inevitable thing la chose will do, suivante et qui est inévitable qu'il va faire, c'est de demander. To beg. It's an expression of you not knowing what to do. C'est une expression de ceux qui ne savent pas quoi to do. Ceux qui savent ce qu'il faut don't faire. Don't beg. Ne demande pas. What
to do will not be hidden from you again. Ce qu'ils vont faire, ce ne sera pas caché à partir d'aujourd'hui. Those who do not know what to do, they cry in life. Ils pleurent dans la vie. The Bible says the woman cried. La Bible dit que la femme a pleuré. And Elisha, et Élisée, who knew like I know, qui connaît comme je sais, that for every trouble, car pour chaque problème, for every challenge, pour chaque défi, there is always what to do. Il y a toujours ce qu'il faut faire par rapport à ça. Amen. See, écoutez, for the unjust war, pour le injustice, dans Luc 16, he said, what shall I do? Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? The Bible said, la Bible thought dit, within himself, il a pensé, il a réfléchi en lui-même. And he entered, he did what we call SWOT analysis. Il a fait ce qu'on appelle analyse rapide. SWOT. Analyse rapide. Analysis. SWOT analysis. Now, are you following me, sir? Yes, sir. Yes, sir. The X SWOT, X W O T. Okay. X stand for strength. S c'est pour la force. W stand for weakness or weaknesses. C'est pour la faiblesse. O stand for opportunities. Opportunité. T stand for threats. C'est pour les menaces. Good. Anytime you are stranded in life, à chaque fois que tu es bloqué dans la vie, coincé quelque part, do a personal SWOT analysis. C'est une sorte d'analyse personnelle. Look at what are the strengths in your life. Regarde les forces que tu as. Look at what are the weaknesses. Regarde in your life. Tes faiblesses. Look at what are your opportunities. Recherche tes opportunités. Look at what are your threats. Regarde les menaces. Either as a corporate body, soit un corps, either as a family, en tant que famille, either as a person, en tant que personne. I was ministering for my father in the Lord. J'étais en train de ministrer pour mon père dans le Seigneur. He does a leader's meeting for all his pastors. Et fait une réunion de leadership pour tous ses pasteurs partout dans le monde. Sometime in January, every time. So et I went there. Parfois en janvier. For the training. Parfois il m'appelle pour la réunion, pour la formation. So I was there with my wife. Alors j'étais là-bas avec mon épouse. One other pastor who was also a facilitator alongside. Pasteur était facilitateur. Un évêque dans le pays. I love what he said. Et j'aime ce qu'il a dit. He said when he wanted to start up his church. Il a dit quand il voulait commencer son église. He said. Il a dit. He was truthful to himself. Il était véridique envers lui-même. He said, look at the old Nigeria. Il a dit, regardez tout le Nigeria. He's resident in Lagos. Il réside à Lagos. He brought it down to Lagos. Il a amené ça à Lagos. And this is where I'm staying. Il dit, voilà là où je suis. I am not saying staying in another state. Il dit, je suis pas dans une I'm ville. Staying in Lagos. Je suis à Lagos. And he now put himself before Lagos. Maintenant, he began to look at all areas in Lagos. Il a regardé tous les endroits de Lagos. At that point in time, he was staying at Festac. Il said he looked at his finances. Il a regardé ses finances. He looked at the people he could command. Il regardait à gens qu'il pouvait commander. Son niveau spirituel. He looked at his contact and connection. Il a regardé ses contacts et connexions. He saw that he does not have strength. Il a vu qu'il n'avait pas de force. To put up a church. Pour mettre sur pied at the place where he was staying. Là où il était. À Festac. So what did he do? Alors qu'est-ce qu'il a fait? He saw that it's a weakness for him. Il a dit, il a vu que c'est une faiblesse pour lui. If he should start up a church, commence l'église in at a place called an area called Festac. Dans un endroit qu'on appelle because Festac. Festac is for the fairly rich people. Parce que Festac c'est pour les riches. And he looked at himself, was just about to start. Il s'est regardé, il voulait commencer. The little money he had. Le peu d'argent qu'il avait. He looked at a place. Il a regardé un endroit. Where there is no church. Là où il n'y avait pas d'église. Where to buy land. Là où pour acheter un terrain. The little he has. Le peu qu'il avait. Is close to. C'est proche de ça. And he looked at the area. Et il a regardé le there endroit. Is no one church there. Il n'y avait pas d'église. So. Alors. Going through his SWOT analysis. Il est parti dans personal son analyse, analysis that he has made. Qu'il avait fait. He moved to that area. Alors il est parti dans le dans he le lieu. Found a land. Et il a trouvé un terrain. He bought it. Il a acheté le terrain. Even though the place was not motorable. Même si le lieu n'était pas agréable. But there is no place on this earth. Mais il n'y a pas d'endroit qui ne va pas se développer. The development will not meet. Que le gouvernement ne va pas atteindre. Que le développement ne va pas atteindre. Today, aujourd'hui,
So many other churches have come to that area. Beaucoup d'églises sont venues dans ce lieu. Successfully went today. Voilà, he has built his own cathedral. Il a construit sa cathédrale. He is the spiritual governor. Il est le gouverneur spirituel. In that area today. Dans ce lieu aujourd'hui. Some other pastors who are his mates. D'autres pasteurs qui sont ses collègues. Who could not do whatever he did. Il ne pouvait pas faire practically. Ce qu'il fait. Is there something about this conference that is going on? Il y a quelque chose par rapport à cette conférence. Practical conference. C'est une conférence pratique. And I hope we are being practical in our administration. Today is a successful preacher. Aujourd'hui c'est un prédicateur qui réussit. With a large crowd. Avec une grande foule. Some friends of his. Who were mocking him then? Ceux qui se moquaient de lui avant. Yes, he took time. C'est vrai qu'il a pris. He concentrated. Il s'est concentré. He kept his focus. Il a gardé sa focalité. Everybody wants to come to his church to preach. Et tout le monde maintenant veut venir dans son église. So many of these his friends. Some of them are out of ministry because of frustration. Sont sortis du ministère à cause de la frustration. Some of them. Certains. Are living on edge. Vivent even par his own edge. Même son aide. Only to ask him to come and preach. Venant lui demander de prêcher. To come and preach for him. Le suppliant de coming to ask him for money. Le lui demandant de l'argent. Anybody quiconque who cannot, qui ne peut pas, move away from him, se séparer de l'être, to trade, et faire will commerce, continually be a beggar in this life. À être mendiant dans sa vie. We live on other people's mercies. Nous vivons. I remember several years ago. Je me rappelle il y a des années de cela. My wife being an accomplished. Lawyer. Ma femme étant avocate accomplie, and at the time, she resigned from wherever she was working. À un moment donné, elle a démissionné de là où elle travaillait. And some few millions were in her hands. Et elle avait quelques millions. Nigerian million. Des millions de Nigeria, de Naira. I don't know whatever it is in your. C'est pas combien c'est dans votre monnaie ici. And she's the type that she doesn't like to beg. Et elle est le genre, elle n'aime pas demander. She has a pride of her own. Elle a sa fierté en fait. For almost 2 years, her job was not forthcoming. Il n'y avait pas l'emploi. The kind of desired job she wanted. Le genre d'emploi qu'elle voulait. And she told me, sweetheart. Elle m'a dit, chérie, I want to go and start up a business. Je vais aller commencer une affaire. I said, what business? J'ai dit, quelle affaire? She looked at her strengths. Elle a regardé sa force. She looked at the things that she could. Elle a regardé les choses qu'elle peut faire. Although. As a prophet that I am, c'est vrai, en tant que prophète, I spoke a little bit against it. J'étais un peu contre. I know that by the time she will be sharing, she might say something along this line. Je pense que pendant qu'elle partagera, every seemingly failure, there is a lesson for life, for you. And for others. Parce que pour chaque échec, il y a une leçon à tirer. She invested all the money. Elle a investi tout son argent. She opened up a restaurant. Elle a ouvert un restaurant. Because my wife can cook very well. Parce qu'elle prépare super and bien. And if you are a man who is married to a man who can cook very well. Et si tu es un homme qui est marié à une femme qui prépare très bien. Another woman, another man's wife food. Si tu manges la nourriture de la femme de l'autre homme. Will show. Le secret va se montrer. If that woman know how to cook. Si cette femme sait préparer. Or not. Bah. So when I eat your food, I will know when. Alors quand je vais manger votre nourriture, je saurai si vous savez préparer. But I've been eating mama's food. Mais j'ai mangé la nourriture de maman. And I know, in fact, there is the one they brought this afternoon. Mais il y a quelque chose qu'ils ont amené. My wife said, ma femme dit, son wife come, we have to greet her very well. Quand la femme de l'évêque va venir, je la salue. Enjoy the vegetables. Parce que là, on a on s'est réjoui de la du plat. Cool. Thank you. They've been taking good care of us. I thought you would clap for me. She can cook. Elle prépare bien. But the problem was when she's going to tell you when she'll be talking about that. Mais le problème c'est qu'elle va vous dire quand elle va parler elle-même. Probablement. My wife believes in sophisticated things. Elle croit aux choses sophistiquées. En fait, I fought to now. Let's be going. Let's be doing it that way. Okay, on va faire comme ça. Alors, faisons comme tu dis. If anything is not expensive, my wife believes that it's too cheap. Si, it's not quality. Si ma femme croit que tout ce qui n'est pas cher n'est pas qualité. Buy what is expensive. If you know how to bargain, very well. Si tu sais cher, cheap. Si tu sais bien discuter, tu peux avoir ça moins cher. Anyway, she packed that restaurant en fait, elle a in a local place. Dans un lieu local. That was the number one error. Ça c'était sophisticatedly. Un restaurant sophistiqué dans un endroit approprié. Remember, we are talking
leadership and entrepreneurship. On parle de comprendre le leadership et l'entrepreneuriat. You don't just jump into entrepreneurship. Tu rentres pas seulement dans l'entrepreneuriat. Basic things you must know. Il y a des choses basiques que tu dois connaître. Which beginning from tomorrow will be breaking them. Et à partir de demain, nous allons décortiquer ça. Alléluia. Alléluia. She invested those millions. Elle a investi 5 millions dans ce restaurant. The average man in that locality. Alors, le moyen, l'homme moyen. He wants to eat a meal. He cannot buy a meal more than 100 naira. Il peut pas acheter la nourriture plus que 100 naira. Alors, lowest meal. Les plats, les moins chers. Was selling for 350, 500 naira. 500 naira. And up and up. Et plus haut, plus haut encore. So for so many months. Alors pendant des mois. The first day when we opened the place. Quand on a ouvert le restaurant le premier jour. We were happy. On était content. You know when you just open up a thing, a new thing always attracts. Quand vous ouvrez une nouvelle chose, wow. Yes. But from second day, third day. Après deuxième jour, troisième jour. Sometimes I will leave my own office. Je quitte mon bureau. I will go and meet the lawyer turned to trader. Je vais aller rencontrer l'avocat qui est transformé en commerçant. I'm sure. Sometimes in the morning down to evening. Parfois du matin jusqu'au soir. No one saw me come. Il y a pas un client qui a. But she has food to sell. Mais elle a la nourriture à vendre. And she has staff to pay with other staff. Elle a des gens à payer. Some staff we close, we sit down here. This food must not die, must not spoil. Et après elle va faire dire que la. Maybe they will come in the night. Peut-être ils vont venir la nuit. Join her. Et je vais la joindre. Pastor turn entrepreneur. Et le pasteur devient entrepreneur. Because this thing must not fail. Pour dire que ça là ça va pas échouer. We were doing that for many months. On a fait ça plusieurs mois. Sometimes she may close. She's going to buy diesel. She's going to buy fuel. Elle va acheter de l'essence. To use in a day. Pour utiliser la journée. She's going to pay all manner of things. Elle va acheter. Sometimes she may not make up to 2,000 naira. Parfois ça peut même pas faire 2,000 naira. And she was not willing to let this thing go. Et elle ne voulait pas laisser. I told her, my wife. Je dis chérie. This thing will kill you. Entrepreneur suit at making wise decisions. Ça dépend du fait de prendre de bonnes décisions en fait. In fact, permit me to say this. Permettez-moi de dire ça. A friend of us. Un ami à nous. I don't believe in borrowing. Vous savez, je ne crois pas en tout ça. He said, you have to invest into this thing, after millions that she has saved. Après avoir from her work over the years that she has invested. Qu'elle avait, après avoir we have not come to impress you here. We have come to impact you. On n'est pas venu vous impressionner, mais pour vous impacter. Amen. She even went to borrow from bank. Elle est même allée emprunter à la banque. To put it more. Pour investir encore. Almost every night. Chaque nuit, 2,000 something. Il y avait 2,000. 1,000 something. 1,000 et quelques naira. Eventually, to cut the long story short. Et pour raccourcir l'histoire. She closed the shop. Elle a fermé le restaurant. We paid the debt. On a payé les dettes. Before God had mercy on us. Avant que Dieu ait miséricorde sur nous. Never to come back here. De ne plus répéter ça encore. Vous voyez, so you don't just do business or become an entrepreneur zealously. Alors on ne devient pas entrepreneur, bien on fait pas des affaires à cause du zèle. So you must always read the environment where you want to operate. Alors tu dois vraiment étudier l'environnement où tu vas aller faire le business. And the point I'm trying to la bonne nouvelle et le point que je veux faire. At every point in time, c'est qu'à n'importe quel moment, you must always think through whenever you seem to be stranded. That's what I'm going to do. So that you don't beg. Quand tu es bloqué quelque part, pour ne pas mendier. There was a time in my own life as well. Il y a un temps dans ma vie, à moi-même. Things were not really moving well. Les choses n'avançaient pas bien. You see, your ability to think through. Vous savez, ta capacité de penser. Is one of the ways. C'est l'une des façons. That will help you not to be stranded. Il va t'aider à ne pas être coincé. And that will help you to know what is right to do and what you can do. Et ça va t'aider à savoir ce que tu dois faire de juste ou pas.
Church was not growing. L'église ne grandissait pas. And we were even having challenges. Et nous avions des défis. Ah.